Salut tout le monde, c'est Audrey. Alors, aujourd'hui, je vous fais le tag Les 100 questions bizarres qu'on n'ose pas poser. Voilà, le titre est un peu bizarre, mais voilà, bref. Question numéro 1. Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Ça dépend. Maintenant que je suis dans mon appartement ouverte, quelquefois je la ferme, mais quand j'étais chez mes parents, fermée. Question numéro 2. Emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels? Alors, de shampoing, non, parce que leurs shampoings, ils sont bizarres. Gel douche, ça arrive si vraiment je me dis que je vais en avoir besoin. Gel douche, oui, si vraiment j'aime l'odeur. Sinon, non, je n'emmène pas. Question numéro 3. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Je dors dans un lit pas vraiment fait parce que... quand je le fais voilà, de propre et tout, il est nickel. Quand il y a du monde qui vient, je le fais nickel. Mais sinon, je tire juste les couettes et puis voilà. Question numéro 4. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Non, aucun intérêt. Question numéro 5. Utilises-tu des post-it? Oui, souvent. Oui, j'aime bien écrire voilà, des petits trucs sur les post-it. Je trouve c'est pratique. Et après, tu y colles de partout et c'est très bien. 6. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Ça m'arrive. Ça m'arrive parce que j'oublie, mais j'essaie d'y penser le plus possible. Question numéro 7. Tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? C'est vraiment bizarre comme question. Gros ours, c'est sûr de mourir. Armée d'abeilles, tu peux mourir, mais t'as de l'espoir. Donc, armée d'abeilles. 8. As-tu des taches de rousseur? Un petit peu, mais juste l'été, légèrement, mais non. Sinon, pas trop. 9. Souris-tu sur toutes les photos? Oui, en général, oui. 10. Quel a été ton plus gros caprice? Oh, ma voiture. Ouais, ma voiture, en fait. C'est ça. 11. Comptes-tu les marches que tu montes? Non, pas vraiment. Quand j'étais petite, mais sinon, non. 12. As-tu déjà fait tes petites commissions besoin dans la forêt? Oui. Et la grosse commission? Oui, quand tu pars en vacances avec tes parents, par exemple nous quand on va au Portugal, enfin quand j'allais au Portugal quand j'étais petite, quelquefois on s'arrêtait à des endroits où t'as pas de toilette, donc t'as pas le choix. Voilà. 14. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Non, pas vraiment. Alors 15. Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? Non, jamais. 16. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Aucune. 17. Quelle taille fait ton lit? Voilà, c'est du standard. Je crois que c'est 180 par 120 ou un truc comme ça, ou 140. 18. Quelle est ta chanson de la semaine? Ma chanson de la semaine, j'en ai pas là, comme ça. J'en ai pas. Bon, j'ai pas de chanson. Non, j'ai pas de chanson cette semaine. 19. Est-ce ok de porter du rose? Non, j'aime pas trop. 20. Regardes-tu encore les dessins animés? Oui, ça m'arrive de regarder les dessins animés, j'aime bien. 21. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Le dernier film? Le dernier film c'était à la télé, c'était la New Musée 2. Et oui, j'ai aimé parce que j'adore cette série. Enfin, cette trilogie, on va dire. Voilà. La 3, il est sorti, il faut que j'aille le voir d'ailleurs. 22. Où cacherais-tu ton trésor si on avait un? Sous mon matelas. J'en ai pas, hein, mais sous mon matelas. Venez pas voir, hein, il n'y en a pas. 23. Que bois-tu en mangeant? De l'eau en général, et quelquefois du sirop menthe 0% TCR. Voilà. 24. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Sauce barbecue. 25. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, les lasagnes de ma mère. 26. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer? Les Pirates des Caraïbes. J'adore. 27. La dernière personne que tu as embrassée?
La dernière personne que j'ai embrassée sur la bouche, bah, c'était mon ex, donc voilà. Mais la dernière personne à qui j'ai fait la bise et tout, c'est mon père, hier. 28. As-tu fait les scouts? Non. 29. Poserais-tu dénudée pour des magazines? Non. 30. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Ah si. Pour faire ma lettre de motivation pour mon appartement. Voilà. Comme ça, un logement social, et ben, il fallait faire une lettre de motivation. Voilà. Bizarre, mais c'est ça. 31. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Oui. 32. As-tu déjà eu un PV pour un excès de vitesse? Malheureusement, oui. 33. Tomber en panne d'essence de voiture? Non, jamais. J'essaie de faire attention. Voilà. Dès que ça sonne et dès que le voyant s'allume, j'essaye de mettre du gasoil assez rapidement. 34. Ton sandwich préféré? Sandwich préféré à la brioche dorée, j'aime bien celui au thon. Voilà. 35. La meilleure chose au petit déjeuner? Oh, des pains au chocolat. 36. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? 11h30, minuit. Mais quand je bosse, 11h30, j'essaye quand même quand je commence tôt, maximum. 37. Es-tu feignante? Ouais, ça arrive, le dimanche, ouais. J'aime bien glander. Mais sinon, pas trop. 37. 38. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Bah, je faisais pas trop Halloween quand j'étais petite, donc je me déguisais pas. 39. Quel est ton signe astrologique chinois? Je suis. Mince! Mince, je sais plus. Je suis. Rat. Rat, je crois. Un truc comme ça. Bon, de toute façon, je mettrai là. 40. Combien de langues parles-tu? Alors, français, portugais, bon, couramment, les deux langues. Anglais, je me débrouille bien. Espagnol, je me débrouille aussi. 41. Es-tu abonné à un magazine? Non. 42. Plutôt Lego ou Domino? Lego. 43. Es-tu têtu? Oui, très. 44. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Jean-Pierre Pernaut, j'aime bien. 45. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Ouais, bah comme toutes les filles, hein. 46. As-tu peur du vide? Non, pas du tout. 47. Chantes-tu dans la voiture? Oui, j'adore. 48. Chantes-tu sous la douche? Non, pas du tout. Sauf s'il y a de la musique dans la salle de bain, mais sinon, non. 49. Danser dans ta voiture? Oui, ça m'arrive. 50. Utiliser un pistolet? À part un pistolet en plastique, sinon, non. 51. Dernière fois que tu as été photographié par un photographe? Bah, lors du shooting photo, il y a 2 ans, pour la grande récré, pour mon boulot. En fait, voilà, je fais partie des parents conseils pendant 2 ans. Et j'ai été photographiée pour faire partie voilà, des personnes qui seront affichées dans les catalogues, sur les affiches et tout. Donc voilà. Et donc là, c'est fini. Ce n'est plus moi maintenant. 52. Aimes-tu les comédies musicales? Ouais, c'est sympa. 53. Noël est-il stressant pour toi? Stressant au boulot, oui. Sinon, pour faire les cadeaux et pour en recevoir, non. 54. As-tu déjà mangé du pierogi? Alors, pierogi, je me suis renseignée. C'est un truc polonais et non, j'ai jamais goûté. 55. Tarte aux fruits préférée. Tarte aux pommes, j'aime bien. Sinon, tarte à la framboise. 56. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Je voulais être styliste. 57. Crois-tu aux esprits? Oui. 58. As-tu des impressions de déjà-vu? Oui, ça m'est déjà arrivé. 59. Prends-tu des vitamines? Uniquement à Noël. Pour le travail, bien sûr. 60. Portes-tu des pantoufles? Oui. Et d'ailleurs, je vais vous les montrer. Elles sont pas trop mignonnes, franchement. Voilà, c'est ma copine Nathalie qui me les a offertes. 61. Un peignoir. Alors, c'est pas vraiment un peignoir. C'est un truc comme ça, voilà, en polaire, qui est assez long, donc même style que le peignoir, mais en polaire. 62. Que portes-tu pour dormir? Simplement un pyjama, voilà. Pyjama l'hiver et puis chemise de nuit, enfin t-shirt super long l'été. 63. Ton premier album reçu? Oh, j'en sais rien.
Je crois que c'était Dance 94, un truc comme ça. 64, Carrefour, Dell Hayes ou Lidl? Carrefour. 65, Nike ou Adidas? Adidas. 66, hamburger ou frites? Hamburger. 67, champ de tournesol ou de coquelicot? Coquelicot. 68, déjà entendu parler du groupe Très Bien? Pas du tout. 69, as-tu déjà pris des cours de danse? Oui. Oui, d'ailleurs, bah, je vais préciser, hein, on va faire une précision quand même dans la vidéo. Hein. Oui, j'ai fait de la danse classique quand j'étais petite assez longtemps. Ensuite, j'ai fait du modern jazz pendant 5 ans. Et du ragga dancehall pendant 2 ans. 70, quel métier vois-tu ton futur mari faire? Oh, j'en sais rien, je m'en fous en fait. Il peut faire ce qu'il veut. Tant qu'il est gentil et qu'il me rapporte des sous. Non, je plaisante. J'en sais rien du tout. De toute façon, j'ai pas de mari, donc... et puis, je regarderai pas son métier en premier. 71, peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Pas du tout. 72, as-tu déjà gagné une coupe? Non, j'ai gagné une médaille. Non, moi j'ai gagné une médaille, ouais. 73, as-tu déjà pleuré de joie? Oui, ça m'est déjà arrivé. 74, as-tu un quelconque vinyle? Maintenant, ils doivent être rangés, mais j'en ai. 75, as-tu un tourne-disque? Non, je l'ai plus. 76, brûles-tu régulièrement de l'encens? Non. 77, es-tu déjà tombée amoureuse? Oui. 78, qui aimerais-tu voir en concert? Alors, j'aimerais voir Mylène Farmer parce que j'aime beaucoup, mais voilà, c'est trop difficile. Elle vient pas en province, enfin, elle vient plus en province. Sinon, on va dire une star internationale. Je sais rien du tout. J'ai pas de personne particulière favorite, mais je pense que j'aimerais bien voir un show. De Beyoncé ou Madonna ou voilà. 79, le dernier album que tu as acheté? C'est David Guetta. 80, thé chaud ou thé glacé? Thé chaud. 81, thé ou café? Thé. 82, avec du sucre ou petit gâteau? Bah juste avec du sucre, ça suffit. 83, sais-tu bien nager? Oui, ça va. Oui, je sais bien nager. Je sais pas, la nage papillon, hein, mais oui, je sais très bien nager. 84. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Oui, mais je préfère me pincer le nez. 85. Es-tu patiente? Pas trop. 86. DJ ou groupe pour un mariage? DJ. 87. As-tu déjà gagné un concours? Oui. 88. Eu recours à la chirurgie esthétique? Non, jamais. 89, olive verte ou noire? Verte. 90, sais-tu coudre ou tricoter? Oui, je sais coudre, mais à la main, comme ça, vite fait. 91, meilleure pièce pour une cheminée? Le salon. 92, veux-tu te marier? Oui. 93, si tu es mariée, cela fait combien de temps? Je ne suis pas mariée. 94, avais-tu un amoureux en primaire? Non. 95, pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou gardes-tu tout pour toi? Alors ça dépend. Quelquefois je pleure, quelquefois je garde pour moi, ça dépend des situations. 96, as-tu des enfants? Non. 97, en veux-tu? Oui. 98, quelle est ta couleur préférée? Le violet. 99, est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Oui. Enfin quelqu'un. Oui, alors quelqu'un, on va dire mes parents. Et sinon mon chat, mon bébé. Et sans, regardes-tu Koh-Lanta? Non. Donc voilà pour ce tag sans questions qu'on n'ose pas poser, questions bizarres. Donc j'espère que ce tag vous a plu. Et je tag Tiffen de la chaîne Makeup & Co. Je tag Chichou Perle. Je tag Crystal Cos. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo tag vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!